Quand ce soit le vinyle, le CD, le savon, il y a plein de trucs qui sont là. On va vous les dédicacer sur place. Merci. On vous attend. Merci d'être là avec nous. Merci. Yahweh yeah, Zolo. Yo. Ciao Zolo. Bonjour, donc je suis ravi de pouvoir vous interviewer en vos qualités d'ambassadrice et d'ambassadeur de la musique togolaise et des rythmes et des harmonies du vaudou. Je crois savoir que vous êtes au terme d'une grande tournée européenne. Certaines dates, certains concerts vous ont-ils plus particulièrement marqué que d'autres? Belle question. Déjà le concert de ce soir. Le concert de ce soir. À Dijon, le public était waouh. L'énergie qu'il nous transmettait quand on était sur scène, c'était le ouf. Nous les classons, selon moi, je les classe dans les top 1 de nos publics. En tout cas, pour avoir vu pas mal de concerts à Dijon, c'est vrai que vous avez chauffé. Ouais. Vous avez bien chauffé. Super. Les conditions économiques de votre tournée, est-ce que vous y retrouvez en tant qu'artiste après une tournée pareille? Je crois que vous avez fait une vingtaine de dates. Et donc, est-ce que humainement vous vous y retrouvez? Les conditions de tournée sont bonnes? Est-ce que financièrement aussi vous vous y retrouvez? Moi, je dirais ça va déjà. Notre objectif, c'est le travail d'abord. On va me parler dans ce thème. Donc, on est satisfait. Les conditions, déjà pour un début, on espère que dans l'avenir, ça va porter plus que ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. En tout cas, les conditions de logement et tout le reste étaient très bien. Sauf que, il est vrai que sur le marché, on était vraiment les seuls à porter le drapeau togolais. Et c'est un peu compliqué parce que c'est un nouveau projet que les gens ne connaissent pas forcément. Mais déjà, on s'est créé un chemin. Et on espère que les autres dates pourraient apporter encore plus, autant économiquement et pour le reste. Mais en tout cas, actuellement, c'est bon. À travers les réseaux, on a vu qu'il y a un grand engouement du public. J'ai vu ça en France, j'ai vu ça aussi en Belgique, en Hollande aussi, je crois que vous avez joué. Oui. Et donc, la question que je me suis posée, c'est est-ce que vous avez la même adhésion quand vous faites des dates du côté de l'Afrique et au pays particulièrement? Moi, je dirais que si ce n'était pas le cas, on n'aurait pas eu la motivation déjà pour venir défendre le projet au transmusical. Parce que c'est l'engouement en fait du public togolais. Mmh. Lors des dates, notamment à l'Institut français, dans le cadre d'un projet de la GIZ qu'on a fait au Palais des Congrès de Cara. Donc déjà, on a fait Lomé, Cara. Mmh. Et également, une autre date aussi qu'on a faite à la Case des Daltons, oui. Voilà, pour tester un peu un public mitigé, un public éclectique. Ouais. Et donc là, même c'est... sur les terrains d'Aboite. Voilà, lors de la fête de la musique également. Ouais. Ouais. Où il y avait voilà, un public assez profane qui a aimé aussi. Très réceptif. Voilà, très réceptif. Et c'est tout ça en fait qui nous a donné la motivation de porter le projet à l'international. Donc forcément, vraiment, c'est quand même qu'il y avait une certaine qualité de ce projet-là. Vous avez eu l'occasion de jouer ailleurs qu'au Togo, sur le continent?
Non, pas encore. Pas encore. Pour l'instant. Mais on est en train de programmer une tournée africaine dans la sous-région ouest-africaine. Quand on va rentrer à Lomé en octobre, on va faire une tournée togolaise et puis après, ça va être la tournée des instituts français en Afrique de l'Ouest. Afrique de l'Ouest, d'accord. Comment vous définiriez le vaudou auprès d'un public qui n'est pas initié? Le vaudou, s'il vous plaît, ça signifie simplement consulter. Consulter la nature à travers ses éléments, à savoir l'eau, la terre, le feu et l'air. Et on consulte ces éléments pour comprendre des événements qui se produisent au temps présent, dans le but de pouvoir préserver le futur, ou pour un futur meilleur. C'est ça, le vaudou. Il y a une notion de protection dedans. Voilà. Et pour rajouter un peu sur vaudou, et le vaudou, c'est notre culture. Et nous sommes vraiment fiers d'en parler à travers nos concerts, à travers nos messages dans le monde entier. Le vaudou, ça prône la paix. C'est le respect, c'est l'amour, c'est la fraternité. Et le vaudou peut être classé dans plusieurs dimensions. Étant donné que nous sommes des artistes, il y a la dimension culturelle que nous, on a opté pour. Il y a la dimension initiatique, la dimension spirituelle. Dans la dimension spirituelle, est laissée au prêtre vaudou et... de part aussi à ceux qui sont prêts ou qui ont appelé à être initiés dans le vaudou. Donc, comme ma soeur vient de l'éclaircir tout à l'heure, le vaudou, ça passe sur la nature. C'est ce qu'on bouffe, les pagnes qu'on porte, nos noms. C'est ça qu'est le vaudou. Et j'aimerais bien préciser aussi qu'il faut dissocier vaudou de guigri, de beau, d'azé, de Tchakachou. Le vaudou, c'est la paix, c'est la nature. On respire l'air, on marche sur la terre, qui nous donne à manger, qui nous soigne. On vient d'ici, on repartira ici. Le vaudou est connu mondialement, puisque à Adebayor du Togo, où notre cher président Faure Sozina, puisque le vaudou, dont nous parlons, ça n'a rien à voir de diabolique. Ce qu'on nous montre dans les films hollywoodiens, par des poupées magiques et autres. Nous, on part sur la nature, ces quatre éléments, qui est la terre, l'eau, l'air et le feu. Et nous en sommes vraiment fiers de parler de vaudou. Ça n'a rien à voir de maléfique. Merci. Merci. Quand on voyage du côté du Togo, on se rend compte que, et je pense que ça vaut pour les autres pays subsahariens, je dirais, il y a une profusion de cultes, il y a beaucoup de cultes, je pense aux évangélistes, je pense aux pentecôtistes, je pense aux églises à la Doura, christianisme céleste, il y a vraiment une profusion de cultes. Et est-ce que vous avez le sentiment que le vaudou trouve encore sa place dans ce panorama où il y a énormément, on va dire, de cultes importés qui se sont installés dans le pays? Bah, le vaudou a toujours sa place, hein. Le vaudou reste d'actualité et ça restera toujours d'actualité. Quand on voit ces pasteurs de ces autres églises-là qui viennent dans des couvents pour faire des cérémonies, moi j'en vois plein tout le temps qui viennent au couvent pour faire des cérémonies avant de repartir dans leurs églises. Alors, on se dit quoi? On se dit que... Pourquoi? Ça veut dire tout simplement que si chez le vaudou, que la force se trouve. C'est là. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous est intrinsèquement lié. C'est-à-dire qu'on est né avec ça. C'est dans notre identité. On ne peut pas fuir ça. Quand vous le fuyez, le vaudou vous rattrapera toujours. C'est comme ça. C'est le fondement culturel de nos peuples. Et pour ajouter de plus, et je dirais que c'est l'homme qui est au beau milieu qui sait
quand il va prendre quelques herbes, il rajoute un peu du sang, il y aura toujours une réaction. C'est l'esprit et la matière. C'est pas parce que je parle de vaudou que je dois détester l'église catholique ou l'église évangélique ou apostolique. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est l'être humain qui sait, et pour dominer l'autre par mépris, il sait qu'une partie de la Bible, il peut aussi utiliser pour influencer l'autre. Donc nous, le vaudou dont parle, et je continue toujours à le dire, on n'est pas dans ce vaudou. Nous, on parle sur la nature. La nature. Voilà. C'est vrai que le vaudou, en tout cas, il semble avoir la capacité de, on va dire, de digérer de nombreuses croyances. Quand on voit par exemple la forme qu'a pris le vaudou en Haïti ou à Cuba, on voit effectivement que, on va dire, le Christ a été intégré dans le panthéon des divinités. Donc effectivement, on peut se dire que le vaudou a toute sa place, y compris au milieu de toute cette profusion culturelle. Car comme tu le dis bien, c'est effectivement le fondement de nos sociétés. Donc, c'est très intéressant. En fait, ce qui est fort avec le vaudou, c'est qu'il rassemble. Il rassemble. Et pour un petit exemple, c'est que lorsque, par exemple, nous sommes deux frères adeptes du vaudou ou vaudouisants, lorsque nous avons un différent que nous n'avons pas réglé, et qu'il y a ce problème-là qui persiste, et que nous gardons rancune, nous ne pouvons pas, par exemple, intégrer un pouvoir pour pouvoir assister à une cérémonie. Il faut que nous réglions ce différent-là, afin de pouvoir adhérer, parce que le vaudou, il rassemble. Il faut qu'il y ait une harmonie. Et c'est la même chose, par exemple, dans le culte chrétien, quand on vous dit... lorsque tu as un problème avec ton frère avant d'intégrer, aller à une célébration, il faut que tu règles le problème. Donc on se dit en même temps que c'est carrément la même chose. Donc tout ce qui rassemble en fait, le vaudou, il est là. Mais tout ce qui divise, le vaudou n'est pas là. Donc ça c'est autre chose. Tout ce qui sert les intérêts individualistes, égoïstes, le vaudou il n'est pas là du tout. Je pense que vous essayez aussi de transmettre des messages au reste du monde. Vous parlez à la jeunesse africaine, mais vous parlez aussi au reste du monde. Votre tournée, c'est une parfaite démonstration. Et quels sont les principaux messages que vous essayez de véhiculer à travers votre musique? Le message le plus important pour nous, c'est pour la nature, pour la protection de la nature. Et au second plan, pour la cause des femmes. Parce que nous ne pouvons pas, sans savoir que maintenant, il y a des femmes qui souffrent dans leur corps et tout, qui n'ont pas le pouvoir, qui n'ont pas cette force de dévoiler ce qu'ils subissent dans le foie et tout. Nous, les Renambaises, nous sommes là et nous luttons pour ça, contre ça. Et à travers nos messages, nous espérons qu'il y a des femmes qui vont se réveiller, qui vont dire, ah, mais non, il y a des femmes qui pensent à nous aussi, étant donné qu'elles aussi, elles sont des femmes. Donc là, nous ne sommes plus seules. Nous pouvons parler, il faut qu'il y a des personnes pour nous écouter. Voilà, nous luttons pour l'émancipation de la femme et la nature. Ça, c'est notre message, le message de Nana Benzuto. D'où vient le nom de Nana Benz? Nana Benz du Togo, c'était une femme forte qui vendait des pagnes wax et au Togo, qui conduisait dans le temps, dans les années 60 et 70, la Mercedes-Benz. Elle était les seules à rouler en Mercedes-Benz au Togo. Et il y avait même le président, le feu, il y avait le feu, Nyasinghe Yadema, qui la consultait pour avoir des conseils et tout.
Et s'il y a les invités présidentiels qui sont là. Voilà. Donc nous avons pensé quand on a installé le projet, nous avons passé 40, nous avons dit mais il n'y en a pas 4. Vraiment avec le message que nous voulons véhiculer, tant puisque elle était des femmes fortes politiquement comme économiquement. Donc on a opté pour ce nom et on croit que le nom nous va parfaitement puisque nous avons la rondeur aussi de la C'était un peu des cougars. Non, pas vraiment. Ah non, on est considéré comme des cougars. Non. En fait, c'était des femmes qui savaient dire oui quand il fallait, qui savaient dire non. On les considérait en fait comme des cougars parce que la société, pour la société, une femme qui n'est pas en foyer avec un homme qui a signé son nom sur son... Bah, pour la société africaine surtout, c'est une... Cougar. Alors là, c'était des femmes qui n'aimaient pas se faire dominer par des hommes. Elles étaient indépendantes, autonomes financièrement. Elles portaient leur mari, elles portaient leur maison, elles portaient leur famille. Et du coup, elles n'aimaient pas qu'on leur donne des ordres. Mais lorsque un homme qui était là et qui, pour elles, ne leur apportait pas ce qu'elles attendaient de lui, elles étaient libres de s'en séparer et de repartir avec un autre homme. Et on leur a en fait donné ce surnom-là de cougar, mais en réalité, c'est pas ça. Les mamans, là, vous avez des faux rappels, etc. Comment concilier, justement, comment vous faites pour concilier tout ça? La vie de maman à l'étranger et la musique. Comment faites-vous? On ne pourrait pas dire que c'est facile. C'est pas facile. C'est un grand travail, c'est pas facile. Déjà quand tu es maman et tu as des gosses, tu as des enfants qui sont tout petits, surtout, tu vas les laisser partir en tournée parce qu'il faut que tu défends aussi une cause très importante pour leur avenir surtout. Et nous, les Nanabés du Togo, nous, les trois grandes femmes qui sont là, nous avons la chance d'avoir des personnes qui sont d'accord avec ce que nous faisons, qui acceptent notre projet et qui ont accepté garder nos enfants, nous aider, à nous accompagner dans le projet, c'est ça. Sinon, c'est pas facile quand même. Et d'un côté, il y a les enfants, tu les manques. Les enfants, si tu manques. Vous faites bien votre job. Ouais. Chaque appel le soir c'est et ça, tout ça. Voilà, bravo et, en tout cas. Ouais. C'est pas facile, mais comme je l'avais dit, on est condamné à le faire ce travail. Du coup, on serre les coups pour leur avenir. Ouais, c'est pour eux qu'on le fait. Ouais, c'est pour eux qu'on le fait. C'est pour la génération à venir qu'on le fait. C'est pour des mamans. C'est pour eux qu'on le fait. Mmh. Donc, du coup, quand on a la chance quand même d'avoir des gens à côté pour nous aider, à prendre soin d'eux au moment où on n'est pas c'est là. Ça. On dit merci d'ailleurs à ces personnes-là. Sans oublier qu'on est des hommes aussi. Forcément, quand on a une faute récente, il faut le dire. Il faut le dire. Je sais que vous parlez dans les sens des éléments. On va demander. Bon, vous précisez trop la partie là, mais nous, nous les femmes. C'est parce que je vais t'expliquer tout. En fait, pourquoi la question était directement venue à nous les femmes. Vous les hommes. Je pourrais dire que c'est simple. C'est pas trop difficile pour vous de laisser un derrière, oui, parce que vous êtes les hommes, vous êtes les maîtres de la maison, en fait. N'oublions pas le côté là, vous êtes les chefs de la maison. Mais nous, les femmes, par contre, on doit normalement laisser la maison comme ça et partir. C'est parce que nous, nous militons pour quelque chose. Nous défendons quelque chose. Nous avons la chance d'avoir des compagnons qui nous comprennent. Sinon, ça ne sera pas facile et possible pour nous. Mais par contre, vous les garçons,
Ben, je pourrais dire que c'est facile. C'est vrai. Vous pouvez partir. C'est pas facile. La société même. Elle vient de dire, c'est le monsieur qui est le maître de la maison. Non. Si le maître n'est pas là, chaque fois, il y aura toujours des autres. Non. Mais bien sûr. Non. Ah. J'ai coupé. Je crois que j'ai coupé. Bon, en gros, on est là pour vous aussi. Non, derrière toute femme, on se trouve toujours des hommes strong. Je comprends pas pourquoi il a commencé à s'attaquer à nous. Parce qu'on n'a rien je dit. Je vous attaque pas. Bah oui. Parce que moi, j'étais en train de parler. Ouais. Et je n'ai pas parlé de femme même. Je n'ai même pas dit le mot femme. Ah ouais? Ouais. Ben, je veux dire que c'est plus facile parce que dans la société africaine actuelle qui est patriarcale, on a connu des hommes qui étaient mariés, qui étaient diplomates, qui étaient consuls et qui ne sont pas forcément des hommes qui sont sur place. Mais la société étant constituée d'une certaine façon où on a toujours considéré que la place de la femme était au foyer, auprès des enfants. Voilà. Et que, bon, exceptionnellement, elle pouvait travailler, mais elle devait être toujours à la place à côté des enfants. Voilà. Le mari, il pouvait faire l'aller-retour. Donc, pour des femmes qui laissent des enfants et des maris loin, pour maintenant faire une tournée, mais excuse-moi, mais c'est pas en fait le prototype normal africain. Je pense que c'était ça la question. C'est trop difficile. Voilà. Et quand on n'a pas la chance d'avoir un compagnon qui comprend, une famille en fait qui vous assiste, c'est très compliqué. C'est vrai. En tout cas, merci. Moi, en tant que femme, Aïlé. Donc voilà, Aïlé de Babibé. Moi, je dis merci, même le message, même par rapport aux filles, la scolarité et tout ça. Parce qu'à Lomé, c'est bon, au Togo en général, c'est aussi bon, Bénin et tout ça, c'est une difficulté. Et c'est pour ça que quand je vous vois, le groupe, aussi bien homme que femme, c'est de montrer qu'on peut ensemble. Voilà. Donc merci, puis merci aux mamans aussi. Merci.